Sache que tant que tu cherches encore en quoi que ce soit ton bien propre, tu ne trouveras jamais Dieu, parce qu'alors tu ne cherches pas simplement Dieu, tu cherches quelque chose avec Dieu. Et c'est exactement comme si tu faisais de Dieu une chandelle et que tu t'en servais pour chercher autre chose. Quand on a trouvé la chose qu'on cherchait, on jette la chandelle. Tu agis de même. Ce que tu cherches avec Dieu, c'est néant. Quoi que ce puisse être, utilité, récompense, intériorité ou quoi que ce soit d'autre, tu cherches un néant. C'est pourquoi aussi tu ne trouves que néant. Si tu trouves néant, l'unique raison en est que tu cherches un néant. Toutes les créatures sont un pur néant. Je ne dis pas qu'elles sont peu de choses ou quelque chose, elles sont un pur néant. Ce qui n'a pas d'être est néant. Mais aucune créature n'a d'être. Car leur être à toutes est suspendu à la présence de Dieu. Si Dieu se détournait d'elles, ne fût-ce qu'un instant, elles retourneraient au néant. J'ai dit parfois, et c'est vrai, celui qui prendrait le monde entier avec Dieu n'aurait rien de plus que s'il avait Dieu seul. Car sans Dieu, toutes les créatures prises ensemble n'ont pas plus d'être qu'on aurait sans Dieu une mouche. Elles en ont exactement autant, ni plus ni moins. Bonjour Laurent Lavaux. Bonjour. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Vous êtes, vous êtes maître de conférence de philosophie à Paris 1. C'est donc avec vous que nous allons parler de Maître Eckhart, Maître Eckhart qui était un philosophe médiéval donc pelu qui a pourtant euh, connu une postérité au sein de certains euh, de, de textes de philosophes contemporains, on en dira quelques mots plus tard. Euh, mais il est vrai que de Maître Eckhart, on connaît très peu de choses. Le texte que nous avons donné à entendre pour ouvrir cette émission était le sermon numéro 4 de Maître Eckhart, où on peut trouver des traités et sermons de Maître Eckhart, puisqu'il écrit beaucoup de textes euh, qui renvoient les uns aux autres, mais et on a entendu hein, ce verbe euh, étonnant comme une litanie qui répète sans cesse la même chose. En l'occurrence, ce qu'il répète, c'est que euh, les créatures sont un néant, on pas qu'elles ne sont peu de choses ou, ou, ou une petite chose, les créatures sont un néant. Et euh, en ce sens, sans Dieu, toute créature serait égale à une mouche. Est-ce est une façon pour Maître Ecarte de prouver l'existence de Dieu par la négative Est-ce est qu'on serait là dans ce qu'on appelle la théologie négative Alors, la théologie négative est une dimension euh, très importante, effectivement, dont s'inspire euh, Maître Ecarte, notamment le le grand fondateur dans le christianisme de la théologie négative, est Denis Laréopagite, qui, euh, quelques siècles avant, avait eu une, informe, une influence immense hein, sur la pensée, notamment chez Eckhart et chez Thomas d'Aquin. Mais le, le, le texte est radical. Hein, est, euh, Eckhart a une manière toujours de, de, de parler, de penser, qui, euh, avec une sorte de fougue spéculative qui fait qu'il radicalise toujours ses thèses. Et comme vous le disiez, il dit... Les choses euh, ne sont pas peu de choses, elles sont néant. Hein, toujours aller jusqu'au bout de la pensée. Mais un pur néant. Un même. pur comme néant. Si, comme si le terme de néant n'était pas assez radical. Voilà. Donc, euh, Mais comment l'interpréter Parce que, euh, en même temps, il ne faut pas commettre de contresens. Hein, C'est assez difficile à comprendre. Le, le monde n'est pas rien absolument. Hein. Alors, il faut distinguer deux choses. Euh, le monde tel qu'il est en lui-même et par lui-même, si je le vise, si je le considère dans sa consistance propre, il n'est rien. Ce à quoi invite ici Maître Eckhart, c'est une sorte de conversion du regard, de l'intention, c'est-à-dire comprendre et saisir les choses en Dieu. Les choses ont un être, mais si euh, elles sont ressaisies dans leur origine divine. Et là encore, euh, Eckhart va, va déployer des thèses tout à fait étonnantes. Hein. Il dit que d'une certaine façon, Dieu, c'est le cœur secret des choses dans le sermon 77 Dieu est l'intime des choses mais ce qui n'apparaît pas c'est-à-dire que euh, il faut d'abord remonter en Dieu et du point de vue de Dieu pouvoir saisir le monde dans sa consistance mais si on commence en quelque sorte par se tourner se diriger vers le monde et eh bien d'une certaine façon le monde n'est rien il n'est quelque chose qu'en tant que signe de dieu mais est-ce que ça veut dire que l'homme peut remonter vers dieu est-ce que l'homme a accès au point de vue de dieu auquel il ne serait pas absolument transcendant il y aurait comme un lien de continuité entre l'homme et dieu alors non seulement euh, l'homme a accès au point de vue de dieu mais là encore euh, Eckhart va toujours plus loin c'est-à-dire quand on lit Eckhart, on est toujours dépassé par sa pensée en quelque sorte euh, dire que l'homme a accès au point de vue de dieu ce serait encore d'une certaine façon euh, tenter d'établir un lien de continuité, comme vous dites, un rapport entre l'homme et Dieu. Mais Eckhart va beaucoup plus loin, il dit qu'à un certain point de nous-mêmes, de notre intériorité, il n'y a plus de différence entre moi et Dieu. D'une certaine façon, moi c'est Dieu et Dieu c'est moi. Alors ça, c'est évidemment une thèse très difficile qu'il faudra essayer de, de comprendre, mais on voit cette puissance de radicalisation. Je voudrais aussi juste peut-être faire une remarque sur ce que vous avez dit en commençant sur l'idée du sermon. Ça, c'est quelque chose de, de très essentiel aussi chez Maître Eckhart. Il invente une manière de s'adresser aux gens simples, d'une certaine façon. C'est un immense savant, Eckhart. Hein c'est quelqu'un qui a enseigné à l'université de Paris, qui a occupé la, la chaire de Saint Thomas d'Aquin, euh, qui euh, disputait avec les plus grands théologiens de son temps. Mais en même temps, la fine pointe de, son, de, son, de sa pratique, c'est le sermon. Et il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'il enseigne plus seulement en latin, ou qu'il ne fait plus seulement des sermons latins, mais aussi en allemand. Et donc il y a cette volonté et comme on le voit dans le style des sermons très vivant avec ses expressions, l'expression de la mouche par exemple, le monde n'est qu'une mouche, hein, de frapper l'auditoire, une rhétorique du sermon et une manière il, il, il invente une langue et une manière de chercher à convertir son auditoire, ce qui peut être aussi va lui occasionner un certain nombre de problèmes. Donc le but est de convertir, euh, mais le but est également de faire réfléchir à partir de ce qu'est l'homme par rapport à Dieu. On est là, on parlera de, de Thomas d'Aquin demain, on est là exactement dans ce qui peut poser problème entre d'un côté la théologie, de l'autre la philosophie, quand les deux se rejoignent avec même la, la religion et la foi euh, comme lien entre les deux. Euh, le Dieu des philosophes n'est pas le Dieu des, des savants, comme le Dieu des savants n'est pas le Dieu euh, chrétien. Euh, et c'est bien que l'entreprise de Maître Eccartes euh, est... est symbolique euh, vraiment de, de cette, euh, cette, cette entreprise proprement, je crois, médiévale, hein, d'essayer de, de, de parler de Dieu euh, tout en préservant le Dieu de la religion duquel on ne peut pas dire grand-chose. Alors effectivement, euh, qu'est-ce qui se joue au Moyen Âge et en particulier euh, dans cette période-là euh, C'est cet extraordinaire effort pour pouvoir avoir dans la main gauche les grands philosophes, la, la tradition philosophique et dans la main droite, euh, la Bible et l'Évangile, d'une certaine façon, et d'essayer de traduire euh, ce, un langage dans un autre. C'est une immense entreprise de traduction. Alors, par exemple, euh, chez Doma d'Aquin ou Maître Ecartes, c'est traduire euh, le donné, ce qu'on peut appeler de la révélation évangélique, à travers des concepts philosophiques qui sont en particulier ceux d'Aristote, mais aussi à travers la tradition platonicienne et néoplatonicienne. Eckhart est très profondément marqué, dépendant de cette tradition néoplatonicienne, et notamment par le canal de Denis Réopagite, dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette affirmation euh, que vous avez reprise de Maître Eckhart, Dieu c'est moi et moi c'est Dieu, comment la comprend-on puisqu'elle semble être euh, en tout point opposée au texte que nous avons donné à entendre en ouverture d'émission en disant que l'homme sans Dieu, les créatures sans Dieu sont purs néant Or dire que moi c'est Dieu et Dieu c'est moi, c'est montrer qu'il y a comme une, une auto-fondation mutuelle entre moi et Dieu. Alors effectivement, mais euh, pour Eckhart, ce n'est pas contradictoire. Il y a une démarche fondamentale de l'homme qui doit, qui doit accomplir en fait. Le, si on veut rentrer dans la pensée des cartes, il faut considérer une sorte de jeu à trois bandes ou de système à trois coordonnées. Le monde, le moi, l'intériorité et Dieu. Hein, et donc on retrouve ces trois grandes idées qui sont reprises même plus tard, hein, les, les trois grandes idées d'une certaine façon de la métaphysique. Que doit opérer l'homme Il doit justement opérer une sorte d'évidement intérieur. Hein. Il doit... Se vider de son rapport au monde. Et donc il doit, d'une certaine façon, devenir néant au monde. C'est cette fameuse thématique très importante chez Eckhart du détachement, hein c'est-à-dire tenter de euh, ne plus se laisser absorber par les choses, mais euh, remonter une sorte, par une sorte d'odyssée intérieure, remonter à ce point où je suis l'édique, comme il dit, c'est-à-dire vide de mon rapport au monde. Je remonte en moi-même comme je remonterai dans ma propre origine en Dieu. Mais cette idée du néant, elle rebondit. Et c'est là où c'est assez complexe. Parce que, par certains côtés, Dieu lui-même est néant. Dieu lui-même n'est rien. C'est là où on rejoint tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure sur la théologie négative. Comment le comprendre En fait, il y a deux dimensions de l'être divin. Une dimension par lequel dieu est dieu d'une certaine façon au sens le plus classique du terme dans la théologie c'est-à-dire deux fonctions principales ou deux dimensions principales une fonction créatrice par laquelle il est rapport à l'homme et une dimension trinitaire hein, par laquelle il est rapport à lui-même hein, c'est-à-dire le, le père par la médiation du saint-esprit rapport au fils mais et cela est une des originalités des cartes, à l'intérieur même de dieu il y a une sorte de transcendance sur lui-même ou de, ou de supériorité à soi, hein, qui fait qu'il faut distinguer le concept courant de Dieu et ce qu'il appelle la déité, un hein, terme très difficile, qui est une sorte de désert intérieur, d'origine intérieure à Dieu lui-même. Hein. Et donc, le point du rapport entre l'homme et Dieu, c'est d'essayer de trouver à la fois dans l'âme un point où l'homme remonte à sa propre origine, ce que Eckhart appelle le fond de l'âme, qui coïncide avec le point où Dieu remonte en lui-même, se transcende lui-même dans la déité. Ce qui veut dire que l'homme et Dieu ont une origine commune qui est la déité. Absolument. On est là dans un système plotinien quasiment, où c'est l'un qui est à l'origine même, qui déborde l'être lui-même, et qui vient énerver euh, l'intelligence, puis les corps. Est-ce euh, que le, le parallèle tient entre Plotin et Maître Eckhart Alors, c'est aussi peut-être ce qui lui a posé problème, et ce qui a posé problème à l'Église d'une certaine façon. Le parallèle tient absolument. Au point que euh, Plotin parle de cette déité, hein, de ce désert intérieur à Dieu, où il n'est pas encore. En Maître Eckart, sorte... pas Plotin. Euh, oui, excusez-moi, oui. Maître Eckart. Hein, ça c'est euh, une habitude ancienne. Euh, donc, euh, Maître Eckart dit que le, le Dieu remonte dans cette sorte d'origine intérieure et euh, cette déité qu'il appelle l'unique un, Einik Ein. Hein. Donc, on retrouve cette idée d'unité, hein, au point qu'on a parlé d'énologie, hein, c'est-à-dire de, de pensée centrée sur la question de l'un. Pour Plotin comme pour Eckhart, d'une certaine façon. Évidemment, il ne faut pas non plus euh, en faire simplement un penseur néoplatonicien. Il est inspiré du néoplatonisme, mais les dogmes fondamentaux de la pensée chrétienne restent extrêmement vivants dans sa pensée, à savoir euh, la théorie de la Trinité. Il y a toute une méditation sur le rapport interne de Dieu à lui-même, et la, notamment la théorie de l'incarnation, qui est le cœur aussi de la pensée euh, Descartes, la théorie de l'incarnation, qui est le mouvement par lequel Dieu se fait homme. Alors ça, il se fait homme dans l'histoire, mais il interprète cela aussi d'un du point, point de vue spirituel, c'est-à-dire que il se fait aussi homme en chacun de nous, ou plutôt il naît en chacun de nous. Et donc l'incarnation dans l'histoire est la préfiguration de l'événement spirituel, de la naissance de Dieu en nous. Et cette idée de la naissance de Dieu en nous, elle n'est plus vraiment néoplatonicienne parce qu'elle se fonde sur l'incarnation et donc elle est proprement chrétienne. C'est ça, c'est comme si l'ajouter euh, à Plotin, euh, le... le, le... La dimension du Dieu chrétien, parce que l'incarnation, on, on pourrait presque la lire chez Plotin également, le fait que l'immatériel se matérialise, il y a cette idée d'une incarnation, sauf que ce n'est pas d'un seul homme, ni d'un seul Dieu. Le terme de Dieu est, 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 vient, vient plus tard, en effet, puisque c'est avec le, le christianisme que Dieu s'incarne, que du coup, le, même la, la, la pensée philosophique va prendre en compte cette, à la fois cette transcendance et cette incarnation. Mais ce que propose Maître Eckhart, en tout cas d'après ce que vous dites, c'est cela, c'est une pensée qui serait Plotinienne en tout cas néoplatonicienne, à laquelle viendrait s'ajouter. Le, le christianisme Est-ce que c'est trop réducteur d'aller présenter On pourrait peut-être euh, inverser la proposition, c'est-à-dire oui. que, quand même, son, or, son, son inspiration première, originelle, euh, reste le christianisme. Je, je voudrais rebondir sur ce que vous dites sur, sur l'incarnation, parce que là, peut-être, ça permet de comprendre le, comment les deux univers, malgré tout, s'organisent. Euh, il faudrait distinguer entre l'idée de création et d'incarnation d'un côté et l'idée d'émanation. Donc création-incarnation dans le christianisme et émanation dans le néoplatonisme. La grande différence, c'est que dans l'émanation, l'un reste en lui-même, il reste euh, absolu, préservé, et l'émanation, c'est une sorte de puissance qui jaillit comme une source et qui constitue une réalité comme des vases qui se euh, dans une fontaine qui se rempliraient les uns à la suite des autres. L'idée d'incarnation est, 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 est d'une certaine façon plus radicale parce que c'est Dieu lui-même qui descend. C'est Dieu lui-même qui se fait homme. Et l'idée donc que Dieu puisse, par lui-même, assumer l'humanité, cela serait un scandale absolu pour un penseur grec néoplatonicien, et Plotin s'y serait radicalement opposé. Le juste détachement n'est rien d'autre que le fait que l'esprit se tienne aussi immobile face à toute vicissitude d'amour et de souffrance, d'honneur, de honte et d'outrage, qu'une montagne de plomb est immobile sous une brise légère. Ce détachement immobile amène l'homme à la plus grande égalité avec Dieu. Car que Dieu soit Dieu, il le tient de son détachement immobile, et c'est du détachement qu'il tient sa limpidité et sa simplicité et son immutabilité. Et c'est pourquoi, si l'homme doit devenir égal à Dieu, pour autant qu'une créature puisse avoir égalité avec Dieu, il faut que cela se fasse par détachement. C'est lui qui mène alors l'homme à limpidité, et de la limpidité à simplicité, et de la simplicité à immutabilité, et ce sont ces choses qui amènent une égalité entre Dieu et l'homme. Et il mue que cette égalité advienne par grâce, car la grâce tire l'homme de toutes choses temporelles et le purifie de toutes choses éphémères. Et tu dois savoir, être vide de toute créature, c'est être plein de Dieu. Et être plein de toute créature, c'est être vide de Dieu. Laurent vu le traité du détachement est un texte aussi magnifique que paradoxal. Et la lecture que, que je viens d'en faire, l'extrait que, que, que je viens de lire, le donne bien à entendre, puisque d'un côté, l'affirmation que nous avons commentée entre le, de, de l'égalité entre l'homme et Dieu, et de l'autre, euh, le fait que cette dialectique, il y a un paradoxe entre l'égalité affirmée d'un côté et la dialectique de l'autre, dialectique puisque euh, être vide de toute créature, c'est être plein de Dieu, être plein de toute créature, c'est être vide de Dieu. D'un côté, ce sont les deux ensembles à, égal, à égalité, et de l'autre, c'est l'un ou l'autre. Alors effectivement, c'est tout à fait euh, une forme de dialectique qui fait d'ailleurs que les grands penseurs de l'idéalisme allemand, euh, par certains côtés, se reconnaîtront euh, dans Maître Descartes. La question du détachement, du détachement est une question euh, centrale hein, dans la pensée Descartes. Elle est euh, aussi une notion très riche parce que elle a une dimension pratique et spéculative. On retrouve ce, ce fameux euh, jeu à trois coordonnées dont je parlais tout à l'heure, ce rapport entre Dieu, le moi et le monde. Il y aurait une sorte de concurrence de Dieu et du monde. On pourrait presque dire de concurrence des phénoménalités, des apparaîtres. C'est-à-dire que si je suis, qu'est-ce que ça veut dire être plein du monde Ça veut dire être en quelque sorte euh, mobilisé, sollicité par le monde affairé, hein, c'est aussi toute une tradition euh, philosophique hein, de l'affairment de l'homme, et notamment une tradition stoïcienne qui se perd dans le monde et qui est incapable de faire retour à Dieu. Donc, C'est cette... le divertissement pascalien, ou aussi, le divertissement absolument. Donc il y a cette idée que euh, si je me préoccupe du monde, je ne peux pas me préoccuper de Dieu. Et donc il y a un choix radical, un choix existentiel. Hein. On ne peut pas euh, s'occuper à la fois du monde et de Dieu, même si peut-être on verra un peu plus loin que ça ne veut pas dire que le Dieu, que le monde soit totalement perdu. Mais c'est une nou nouvelle manière de viser le monde. Et donc, euh, il y a cette affirmation que de l'évidement, hein, être vide hein, du monde, pour que euh, puisse opérer cette fameuse unité, identité du moi le plus intime et de Dieu. Donc Dieu ne peut m'apparaître, Dieu ne peut se manifester en moi de façon absolue que si je fais ce travail intérieur hein, du détachement. Mais peut-être juste une remarque encore sur cette idée de détachement. Dans d'autres textes, Eckhart dit que être détaché, ce n'est pas vivre véritablement hors du monde comme une sorte d'asset. Hein. Le détachement euh, est plutôt une manière d'être capable de vivre dans le monde, tout en persévérant en Dieu. Avoir sa racine en Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a une sorte d'ascétisme radical qui fait qu'on se retirerait dans une retraite loin du monde, mais c'est une manière de vivre en Dieu par une sorte de sérénité radicale. Et il y a un terme aussi tout à fait décisif chez Eckhart qui est le terme de Gelassenheit, c'est-à-dire qu'il faut laisser les choses être ce qu'elles sont. Laissez les choses être ce qu'elles sont. Ce qui me donne cette sérénité, c'est justement non seulement la certitude de n'être jamais loin de Dieu, mais l'expérience même d'être tellement uni à lui que plus rien ne me distingue de lui. Alors, deux problèmes surgissent après ce que vous venez de dire, Laurent Lavaux. D'un côté, comment concilie le, le détachement. Et la grâce, puisque le détachement semble être un travail sur soi qui nous permet de nous rendre disponibles à Dieu. Or, si, euh, si Dieu arrive par la grâce, c'est ce que disait le texte que j'ai lu, alors il n'y a pas besoin d'y travailler, c'est Dieu qui choisit de nous élire ou non. Et deuxièmement, euh, c'est ce qui rejoint d'ailleurs ce premier point, vous avez dit, il faut arriver à laisser les choses être. Mais cette sagesse qui consiste à accepter les choses, les, faire en sorte qu'elles qu soient ce qu'elles sont, euh, s'oppose également au travail sur soi qu'implique le détachement. Alors là, vous abordez un point fondamental de toute la, la théologie médiévale, hein, qui est la question de, de la grâce et de la liberté. Euh, effectivement, euh, on ne peut pas dire que ce n'est pas une technique spirituelle qui fait que le détachement euh, consisterait, comme ça peut être dans certaines sagesses orientales, à une sorte de travail volontaire sur soi-même qui permettrait, d'une certaine façon, absolument de euh, euh, d'engendrer Dieu en soi ou d'opérer cette union à Dieu. Il y a la grâce, c'est-à-dire que il y a cette idée fondamentale chez Eckhart que la passivité est supérieure à l'activité. Ce n'est euh, pas le, la volonté en moi qui va produire un effet par une sorte de causalité mécanique, mais il y a une expression très belle de Maître Eckhart, le, la fine pointe de la vie, de la vie spirituelle est de souffrir Dieu. Hein. C'est-à-dire ce rapport euh, à cet événement euh, d'un Dieu qui m'advient et cette advenue de Dieu en moi ou cette naissance de Dieu en moi, elle ne peut se faire que par grâce. Donc euh, il y a toujours cette ambivalence, cette double dimension. Hein. Certes, se détacher du monde, mais le détachement qui su suppose hein, une forme de, de travail, hein, comme je l'ai dit, euh, ne, 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 ce n'est pas lui qui engendre Dieu, mais c'est toujours... Dieu qui est premier et l'activité que je pourrais mener sur moi-même euh, n'est que secondaire par rapport à cette, ce bouleversement intérieur qui est la grâce, qui est la naissance de Dieu et qui est cette fameuse unité de l'homme et de Dieu. Je lisais dernièrement cette pensée de Pascal. Les hommes ne font jamais de mal aussi complètement et joyeusement que lorsqu'ils le font pour des raisons religieuses. Ici, c'est la confusion et la violence. Nous sommes dans une situation à risque, mais nous persistons dans la foi et la confiance en Dieu. C'est par la pauvreté, l'échec et la mort que nous allons vers Lui. Des pluies abondantes et dévastatrices n'ont pas éteint la violence qui s'infiltre partout. Deux parties sont en présence. L'un veut garder le pouvoir, l'autre s'en emparer. Ils se battent dos au mur. J'ignore quand et comment ça finira. En attendant, j'accomplis ma tâche, recevoir les pauvres et les malades, en attendant le jour ou l'heure de fermer les yeux, mon cher ami. Prie pour moi que ma sortie de ce monde se fasse dans la paix et la joie de Jésus. Au paradoxe entre la grâce et la liberté, Laurent Laveau, que nous avons évoqué juste avant et sur lequel il faudra revenir, puisque c'est effectivement déterminant et dans tous les, les penseurs et les écrivains du Moyen Âge, s'ajoute ce, ce paradoxe que nous avons rapidement abordé, qui est euh, cette fois entre Dieu et le monde. Vous l'avez dit, trois, trois points d'entrée dans la pensée de maître écarte, Dieu, l'âme et le monde. L'âme fait le lien entre Dieu et le monde, et pourtant, n'y a-t-il pas un moment où elle doit choisir Est-ce que cette pensée du détachement, euh, cette thématisation de la grâce ne sont pas un moyen pour mettre carte, et dans la façon dont il, a, de, 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 dont il prêche sa pensée, de se détourner du monde. L'extrait que nous avons entendu, on a entendu un extrait de film juste avant, c'est un extrait des Hommes et des Dieux, le film de Xavier Beauvois qui date de, de 2010, et qui un film librement inspiré de l'assassinat des moines de Tibérine en Algérie en 1996. Euh, on y entendait ce personnage, interprété par Michael Lansdale, écrire une lettre en disant, voilà, je, je ne peux pas prendre parti à cette guerre civile qui a lieu autour de moi, je ne peux que en, en me recueillant dans, dans ma pauvreté, qui est un thème que reprend et que creuse un hein, maître écart, le thème de la pauvreté, me contenter de venir en aide aux plus pauvres, mais ce qui se passe dans le monde, euh, les événements, disons, politiques, il faut que je m'en détourne. Est-ce qu'on ne peut pas ici faire. Euh euh, trouver une pointée une faiblesse de cette pensée telle que la met en œuvre Maître écart qui est de se détourner du monde. Et donc, de ne se tourner, en ne se tournant que vers Dieu, que vers son âme, en y trouvant Dieu au fond de son âme, on se détourne du monde. Et du coup, du coup que reste-t-il de la vie terrestre euh, si, elle est, si elle est uniquement vouée à, à prier Dieu Alors, euh, question effectivement décisive. Euh, si on, on se réfère à l'extrait qui a été lu, euh, je crois que le, le personnage de, de Michael Lonsdal est, est médecin. Il dit à un moment donné, en attendant, j'accomplis ma tâche. Donc, malgré tout, euh, si on voit cette logique, il ne s'agit pas simplement, même pour, pour ces moines, de, de, de fuir simplement le monde. Mais il y a quand même un engagement, mais qui serait d'un autre ordre qu'un engagement simplement tranché entre deux camps. Alors, pour répondre à votre question, je crois qu'on peut euh, observer la vie de Maître Eckhart. Parce que là, il y a encore un paradoxe. C'est un penseur du paradoxe, mais sa vie même est une sorte de grand paradoxe. Maître Ricard, on vient de le dire, ne cesse de prêcher le détachement, grand maître spirituel, grand maître de la vie intérieure. En même temps, c'est un homme protéiforme, hyperactif, fondateur de couvents, euh, maître spirituel euh, de tout un, un courant. Euh, Dominicain qui un courant féminin qui sont les béguines qui, pendant dix ans, euh, il a visité euh, des, des couvents de cémoniales de, euh, de, de et euh, c'était un enjeu fort parce que les béguines à l'époque avaient pas forcément réputation parce que c'était des mystiques et qui n'avaient pas forcément une réputation, des forcément des, une réputation très, euh, très assurée pour l'église orthodoxe. Euh, euh, C'est quelqu'un qui, euh, donc, a enseigné comme je le disais tout à l'heure à l'université de Paris, c'était sorte de. De, de stars intellectuelles de son temps. Il faut voir que euh, Maître Eckhart euh, euh, avait un rayonnement dans toute l'Europe euh, absolument formidable qui a ensuite été étouffé du fait des problèmes qu'il a eus. Peut-être qu'on y reviendra euh, euh, parce qu'il a eu un procès du fait de la radicalité de, de ses thèses. Ce que je veux dire, c'est que sa vie est une vie extrêmement active, engagée dans le monde, dans les débats de son temps. Et ce n'est pas euh, euh, l'ermite isolé du monde euh, qui, euh, euh, qui, qui n'a qui de cesse de fuir, d'une certaine façon, l'agitation du monde. Alors, pour répondre plus précisément à cette question-là, il y a un, un serment assez euh, bouleversant, étonnant, qui s'appelle Marthe et Marie qui est un renversement de l'interprétation traditionnelle de euh, cette figure de deux femmes qui étaient des amies du Christ. Qui accueille, c'est dans l'évangile de Luc, qui accueille le Christ. Dans l'interprétation traditionnelle, Marie est assise euh, au pied du Christ et euh, elle écoute l'enseignement du Maître. Elle contemple. Et puis il y a sa sœur qui bougonne parce que elle s'agite, elle doit préparer euh, la maison et elle dit Marie, tu pourrais venir m'aider un petit peu. Donc la réponse du Christ, il dit ne l'importune pas. Elle a choisi la meilleure part, qui semble être. La, la vie contemplative, d'une certaine façon. La contemplation du Christ. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, Eckhart, euh, traité du détachement, euh, penseur de la vie spirituelle, il va faire la lecture classique. Il va dire, il faut privilégier euh, Marie par rapport à Marthe, par rapport à la vie active, la vie qui se préoccupe des pauvres et du monde, puisque c'est cette euh, symbolique-là, hein, euh, Marthe. Et bien, là encore, euh, euh, Eckhart nous sidère et nous déconcerte. C'est-à-dire il dit eh bien, c'est l'inverse. La figure la plus haute, c'est la figure de Marthe. La figure la plus haute, ce n'est pas la figure d'une sorte de paisible confort intérieur détaché du monde, mais la figure la plus haute, et il emploie une expression tout à fait déconcertante, c'est le souci. Alors, on pourrait lui dire, mais incohérence totale. Le, le détachement d'un côté, le souci de l'autre. Et il choisit le souci, alors est-ce qu'on est plus détaché Pourquoi est-ce la figure la plus haute et la plus fondamentale Parce que Marthe et celle qui est capable de vivre auprès des choses, c'est l'expression qu'il emploie, tout en restant auprès de Dieu. Et c'est ça la fine pointe du détachement, c'est-à-dire cette liberté intérieure absolue qui fait que je peux continuer à vivre dans le monde, à vivre auprès des choses tout en ne me euh, n'étant pas totalement et radicalement séparé de Dieu. Donc vous voyez par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, d'une certaine façon me vider du monde et me remplir de Dieu, euh, ça semble aller dans des directions opposées. Mais d'une certaine façon, c'est l'étape suivante. Une fois que je suis empli de Dieu, je suis totalement libre. Et je suis même libre d'une certaine façon de retourner au monde. Il y a toujours cette dialectique. C'est-à-dire qu'une fois que je vis parfaitement en Dieu, en étant identifié à lui, eh bien d'une certaine façon, c'est là la sérénité, c'est là la Gelassenheit, c'est-à-dire je peux laisser être les choses, agir dans le monde selon une liberté radicale. Sauf que si l'homme s'identifie complètement à Dieu, alors il n'a plus aucun intérêt de vivre auprès des choses. Quel intérêt pour l'homme de, de, de se satisfaire, s'accommoder du monde matériel alors qu'il lui, qu est lui-même parvenu à, à devenir Dieu C'est peut-être là où on revient à la différence entre le christianisme et le néoplatonisme. Il ne s'agit pas simplement de. Euh, opérer son salut par une sorte de euh, hédonisme spirituel, euh, c'est-à-dire de chercher à euh, trouver refuge en Dieu et d'une certaine façon euh, tout va bien. Euh, le, euh, la logique même du christianisme est aussi une logique de la charité. C'est là où on retrouve l'idée de l'incarnation. Dieu n'est pas celui qui, d'une certaine façon, il était très bien dans son absolue transcendance, mais il a choisi non seulement de créer le monde, mais de venir dans le monde. Et donc la logique même de la charité chrétienne est que tout en vivant en Dieu, le mouvement même de Dieu, si vous voulez, n'est pas simplement le, ce mouvement de retrait, mais il est aussi, et c'est là que les deux dimensions sont difficiles à tenir, il est aussi ce mouvement qui se donne pour le monde, ce, ce mouvement de, 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 de salut du monde. Et donc de même que Dieu, dans l'incarnation, se donne au monde, dans la création, se crée un monde, un partenaire avec qui converser, et dans l'incarnation vient sauver le monde, eh bien le chrétien n'est pas simplement comme une sorte d'ascète bouddhique, celui qui se retire simplement du monde, il est aussi celui qui, par le principe de charité, continue à œuvrer pour ses frères. Mais et, et pourtant, si, si l'homme devient dieu, encore une fois. Euh, il n'a plus besoin de dieu le paradoxe vient de là c'est que finalement euh, l'homme selon maître eckhart a besoin sans doute de la religion et de prêcher cette, cette attention au monde cette ouverture aux autres euh, cette, cet intérêt pour le monde matériel mais une fois que lui-même est parvenu au, au, au statut de dieu l'homme n'a plus besoin de dieu on est là alors c'est même plus du mysticisme c'est presque un immanentisme absolu alors c'est tout à fait effectivement euh, brûlant cette, cette, cette question du besoin de Dieu hein, pour mettre Écarte. Euh, il faut accéder à un rapport aussi bien finalement toujours dans ces deux dimensions au monde et à Dieu, qui ne soit plus un rapport justement fondé sur le besoin. Euh, il n'y a pas le, le, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire avoir besoin de Dieu Ce serait faire de Dieu ma chose, mon instrument d'une certaine façon. Il faut, euh, pour mettre écart, accéder à ce point de ma vie intérieure d'une certaine façon qui est pure gratuité. Dans cette double dimension rapport au monde, je ne, je ne construis pas mon salut d'une certaine façon dans le rapport au monde et être en Dieu ou être Dieu d'une certaine façon, ce n'est plus avoir besoin de Dieu. Pourquoi fondamentalement, si on prend sa logique intellectuelle, spéculative Qu'est-ce que c'est que le besoin de Dieu C'est encore l'altérité entre un moi qui est en défaut, qui est en manque, et quelque chose d'extérieur qui viendrait combler ce manque. Mais il faut remonter en deçà de cette altérité, de ce besoin, et c'est là la gratuité. C'est Dieu qui se donne gratuitement à moi et moi qui le reçois totalement gratuitement. Et donc, euh, et qui, le, qui non seulement le reçoit, mais qui finit par euh, m'identifier parfaitement à lui. Et ça, c'est ce que Maître Eckhart nomme la pauvreté. C'est par une volonté sans objet, une volonté qui, qui non pas qui se veut elle-même, mais qui ne veut tellement rien qu'elle en est pauvre, que l'homme peut réduire la distance qui le sépare de Dieu. Vouloir Dieu, c'est encore trop peu, d'une certaine façon. Euh, la volonté de Dieu, pourquoi C'est exactement la même logique. La volonté de Dieu institue cet écart entre celui qui veut et celui qui est voulu. Alors c'est un cheminement hein, pour écarte, pour d'une certaine façon. C'est déjà pas mal, hein, d'une certaine façon, hein, dans, dans sa propre logique de, de vouloir Dieu. Hein. C'est la fameuse parole du Christ, hein, le soir de la Passion, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est-à-dire, il veut la volonté divine. Et donc le Christ lui-même veut cette volonté. Mais ça, c'est d'une certaine façon, c'est la, la figure du, du Christ incarné, de, de, de l'homme. Mais l'homme lui-même, dans la logique d'écart, doit être dépassé. Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme doit être dépassé C'est ce rapport du Créateur à la créature. Ce rapport fondamental de la créature qui veut et de Dieu qui est voulu, ce rapport-là qui instaure une relation et encore une altérité, doit être dépassé pour habiter ce pur désert intérieur. Où je ne suis plus simplement euh, l'autre et le partenaire de Dieu, mais dans le fond de mon âme, dans le fond de l'âme, il n'y a plus aucune différence entre, c'est ce que, dont on a parlé en commençant, entre en quelque sorte le fond de Dieu et le fond de l'âme. Cette importance donnée au fond de l'âme est, est, est très surprenante puisque on peut y entendre à la fois une influence, ou sans doute des, des, des lectures qu'aurait fait Maître Ecarte de Saint Augustin avec cette notion de l'intime. Et en même temps, c'est une façon d'intérioriser l'origine divine qui est, qui, est, qui est révolutionnaire, enfin vraiment à proprement parler. J'imagine que c'est pas pour rien que Maître Ecarte a eu des ennuis vis-à-vis -vis de l'Église, euh, puisque c'est quand même affirmé que l'origine de Dieu est dans l'âme humaine. Mais c'est aussi, alors là, de manière plus euh, conceptuelle, disons, euh, donner vraiment le jour et, et, et creuser, explorer cette notion de l'intime euh, de manière très très moderne, en tout cas pour. Pour nous, lecteurs du, du 21e siècle, alors effectivement, il y a ces deux dimensions. Ce rapport, d'une certaine façon, à l'intime qui remonte, comme vous le dites, à, à Saint Augustin, que, que Maître Eckhart avait médité, qui est cette idée de Saint Augustin euh, Dieu est plus intérieur à moi-même que moi-même, hein, et qui opère, et c'est là, dans cette direction-là, que, que va euh, creuser Maître Eckhart, qui opère la conjonction, là encore paradoxe, hein, figure centrale chez Eckhart, la conjonction de euh, l'intériorité et de la transcendance. C'est-à-dire que plus l'homme remonte en lui-même au plus intime, au plus secret de ce qu'il est, plus, d'une certaine façon, il trouve la hauteur de Dieu. Donc, euh, il faut, et ça c'est vrai euh, dans beaucoup de, 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 de thématiques traitées par Eckhart, il faut se départir d'une manière trop... Figé, rationnel de pensée, qui opposerait d'un côté euh, intériorité, transcendance, intériorité et extériorité, euh, humilité, peut-être, c'est une thématique aussi décisive, et euh, auteur de Dieu. Ces deux concepts, c est, c est, c est, c est, comment dire, cette bipolarité, se rejoint avec cette idée que euh, là où je suis au plus profond de moi-même, où j'explore le plus profond de moi-même, c'est là d'une certaine façon, que je trouve la hauteur et la transcendance la plus absolue de Dieu. Le plus élevé se situe au plus profond de moi-même. Voilà, le plus élevé se situe au plus profond. Alors, vous parliez aussi d'une euh, comment dire d'une idée très moderne. Pourquoi on peut dire que c'est même moderne au sens d'une de, 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 philosophie très contemporaine Il y a chez Eckhart cette idée, si on parle de subjectivité, qui n'est pas son vocabulaire, d'un point... De la conscience, et là encore, ce n'est pas son vocabulaire, mais je traduis d'une certaine façon, qui est asubjectif. C'est-à-dire qu'il y a un point de l'intériorité, de, 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 de moi-même, où, d'une certaine façon, je ne suis plus le maître en ma maison. Alors, il ne s'agit pas d'aller vers, vers la psychanalyse, parce que c'est une expression aussi de Freud, mais c'est plutôt l'idée qu'il y a, si on reprend les catégories. Euh, ancienne du transcendantal, d'un sujet qui est en quelque sorte l'origine et le maître de ces représentations du monde, il y a en deçà de ces facultés par lesquelles je, je, je constitue les choses, je constitue le monde, il y a aussi un point source où d'une certaine façon je suis en retrait par rapport à un acte constitutif euh, qui, qui me permet d'organiser, de, de constituer le monde. Il y a un, cette thématique de la subjectivité avec un tiret. C'est à dire quelque chose de asubjectif, quelque chose qui me dépasse moi même à l'intérieur de moi et c'est en ce sens qu'on peut comprendre cette pensée de l'intime comme n'étant pas le fondement d'une pensée de l'individu disons C'est ça qui est difficile à penser c'est qu'à la fois il y a cette importance accordée à l'intime à l'intériorité et en même temps ce n'est pas la source ce euh, c'est pas là où, où la, la pensée de l'individu même de la personnalité prend sa source parce que ça, ce sera bien plus tard hein. il, est, il est difficile de tenir les deux ensemble enfin, Alors, de comprendre fait... que l'un n'implique pas l'autre quoi alors effectivement, il faut distinguer ici très fermement, comme vous le dites, euh, individualité et intériorité. Qu'est-ce que c'est que l'individualité C'est ce qui me rend singulier, ce qui me rend unique d'une certaine façon. Et ça, c'est une pensée moderne et, et que, le, que le christianisme a aussi repris, c'est-à-dire l'unicité de la personne, ce qui fait son prix. Eckhart ne va pas dans cette direction. Euh, il travaille sur l'idée donc d'une intériorité, au contraire, qui me dépossède de mon identité historique singulière individuée et qui fait et c'est pourquoi parce que euh, selon lui retrouver l'origine divine me il dit qu'il faut se décréer pour aller dans le sens de, de ce que vous dites expression qui pour le coup n'est peut-être pas très chrétienne hein, qui euh, c'est-à-dire ce processus de décréation qu'on peut aussi décrire comme un processus de désindividualisation c'est-à-dire trouver le point source D'où jaillit peut-être ma vie personnelle, d'où jaillit ma, ma vie pour le coup individuelle, mais qui est en deçà de cette vie individuelle. Pourquoi Parce qu'elle est l'origine même en Dieu. D'une certaine façon, euh, vous avez cité le, le, le traité sur la pauvreté euh, tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette pauvreté C'est justement être pauvre, c'est la même chose qu'être noble, là encore, paradoxe. Hein. Noblesse et pauvreté s'identifient. C'est, là encore, euh, se dépouiller tellement radicalement de soi, de son individualité que je euh, j'habite le, 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 le cœur, euh, l'intime, le fond de l'âme, hein, où euh, Dieu n'est plus autre que moi, d'une certaine façon. Mais pour que Dieu ne soit plus autre que moi, il faut que déjà je ne sois plus moi-même. Hein. Se détacher, c'est se détacher du monde, mais c'est aussi fondamentalement se détacher de soi. Et encore une autre dimension du détachement qui est, alors là pour le coup, révolutionnaire, il s'agit aussi de se détacher de Dieu. Euh, de l'image que je peux me faire de Dieu. C'est une thématique qu'on n'a pas encore abordée, mais qui... est... Non, mais nous revoilà à ce qu'on qu disait tout à l'heure. Euh, quel besoin... L'homme Dieu, Dieu n'a plus besoin de Dieu, et il n'a plus de raison d'exister si on suit met mettre jusqu'au bout. Alors absolument, on pourrait parler, mais il faut y aller doucement parce que c'est des notions difficiles, mais d'une forme d'athéisme chez Eckhart mais qui n'est pas la même chose que l'athéisme contemporain, qui est simplement négation euh, pure et simple. Euh, de l'idée ou de l'existence de Dieu. Mais malgré tout, il y a cette prière qui est euh, euh, déconcertante. Je prie Dieu de me libérer de Dieu. Hein, dans le traité sur la pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire Je prie Dieu de me libérer de Dieu. On peut le comprendre en, à deux niveaux. D'abord, c'est une sorte de euh, euh, d'anti-idolâtrie conceptuelle. C'est aussi peut-être une sorte d'anti-construction métaphysique du divin. Une fois qu'on a fait tout le travail de théologien que fait Eckhart. Il ne hein, faut pas le prendre non plus pour quelqu'un qui euh, simplement raconterait sa vie spirituelle. C'est un, un maître euh, tout à fait spéculatif, absolument euh, solide. Hein. Mais en même temps, toutes les représentations conceptuelles euh, que je peux me faire de Dieu, à un moment donné, je dois chercher à m'en libérer. Ça, c'est la, la, euh, la, 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 la première dimension de cette prière, c'est euh, se, euh, se libérer de tout ce qui pourrait faire écran avec l'expérience même de Dieu. Il y a une expression là de, de Michel Henry, qui, qui, qui est un grand lecteur de, de Maître écart, qui dit, euh, l'expérience de Dieu, ou l'expérience de l'absolu, c'est l'absolu lui-même. C'est-à-dire euh, il n'y a pas d'un côté l'expérience de Dieu et de l'autre côté Dieu, mais il faut se détacher de l'expérience pour, ou même de la représentation. Pour aller habiter donc le cœur du divin. Et alors peut-être juste une deuxième interprétation de je prie Dieu de me libérer de Dieu, plus technique et plus difficile. C'est cette fameuse articulation entre le concept de Dieu et la déité. Articulation très difficile, mais je vais essayer juste d'en dire un, un tout petit mot. Là encore, Dieu qu'est-ce que c'est C'est à la fois le créateur et c'est à la fois Dieu comme relation trinitaire. Donc deux dimensions fondamentales dans la théologie chrétienne. Dieu qui crée et Dieu qui est relation du Père, de Fils et de l'Esprit. Mais se libérer de Dieu, c'est aussi se libérer de cette dimension du divin, créatrice et trinitaire, pour aller se fondre, s'abîmer dans l'origine même de Dieu qui est la déité, qui est la racine encore plus profonde, de même que je me détache de moi-même, je me détache de mes puissances, qu'il appelle les puissances, la pensée, la volonté, euh, euh, l'entendement, hein, toutes, ces, toutes ces puissances dont je me détache, Dieu lui-même se détache de lui-même, se détache de son aspect trinitaire, euh, et il euh, habite ce désert intérieur, cette origine intérieure, hein, euh, qui est euh, euh, décrit comme, comme écarte le peu par ce concept de déité. Et justement, il est décrit... Euh, ce, qui nous, ce qui nous permet d'aborder un dernier point, euh, c'est est celui de l'écriture, puisque Maître Eckhart va écrire pour dire cela. Il y a ce travail sur l'écriture, qui n'est pas sans rapport d'ailleurs au travail de l'écriture de Dante dont nous parlions hier. Cette ambivalence, ce jeu avec le, les limites du langage pour arriver à dire quelque chose qui excède le langage. Dante choisissait la poésie, euh, Maître Eckhart choisit une forme de litanie ou de liturgie, même une répétition euh, incessante et obsédante pour essayer de dire finalement qu'il faut se défaire euh, de l'homme et du discours. On retrouve là le, le paradoxe Ultime sans doute des, des textes de Maître Eckhart. Alors effectivement, là encore, rappelons qu'il y a deux grands types d'écrits qui nous sont parvenus les traités et les sermons. Hein, euh, et dans les sermons, on voit cette fameuse liturgie de la parole. Euh, le serment, qu'est-ce qu'il opère Il opère le lien entre la parole écrite et euh, le verbe de Dieu. C'est-à-dire, il est lien entre le verbe proféré par le prédicateur qui doit d'une certaine façon, cette parole dite, elle doit faire le lien avec la parole même vivante du Christ. Et donc la prédication, c'est s'adresser à un auditeur pour que en lui-même, il fasse euh, ce, ce cheminement de la parole écrite à la parole intérieure divine qui est le verbe de Dieu.